Bonjour mes élèves, je suis professeur Farida, enseignante de français dans l'établissement de Aïdémouni. Heureuse de vous rencontrer, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Unité 9, il me tient compagnie. Aujourd'hui, on va faire la séance de la lecture « Moi petit, chat héroïque ». Vous pouvez trouver dans le manuel, la page 98. Moi, petit chat héroïque. Ce texte a été écrit à partir d'une histoire vraie qui a eu lieu dans le nord de la France le 22 février 2016. Le chat petit raconte son histoire à un autre chat qui vient d'arriver dans son quartier. Je m'appelle Poussy. Ça, je le sais depuis longtemps. Mon maître m'appelle toujours Poussy. J'ai 6 mois. Ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris hier. Tu vas comprendre à quelle occasion. Hier, Étienne, c'est le nom de mon maître, rentre de son travail après son service de nuit. Elle est 8 heures du matin. Étienne est ouvrier dans une usine de Tange. Elle a faim, elle est fatiguée. Et il décide de faire griller quelques merguez sur son barbecue électrique installé contre un mur du salon. En attendant qu'elle cuise, elle s'allonge sur le canapé et regarde la télévision. Voilà mes élèves, l'explication de quelques mots. On va commencer par le mot héroïque. Mot qui vient de héros, un héros est une personne ou animal qui fait une action exceptionnelle comme sauver un enfant qui va mourir. Voilà la photo d'une ou d'un héros. Usine, grande fabrique où des hommes, des femmes fabriquent toutes sortes de produits. Par exemple, des meubles, des jouets, etc. Par exemple, comme cette photo. Barbecue. Appareil qui sert à cuire des aliments. Il fonctionne au charbon de bois, à l'électricité ou au gaz. Comme celle-là, par exemple. Voilà mes élèves, après avoir lu ce texte 2 ou 3 fois minimum, vous allez prendre votre cahier de maison et répondre à ces questions. Questions de compréhension. La première question, qui est Pussy? La deuxième question, quel âge a-t-il? La troisième question, qui est Étienne? Et la quatrième question, où travaille Étienne? Donc, je pense que c'est très facile. Voilà mes élèves, la correction. Prenez soin de vous. Au revoir.